presse qu'en témoignèrent diverses personnes sensées lorsque je demandais leur renseignement. Pour ce dont je me souviens moi-même, il ne paraissait ni plus bizarre, ni plus triste que les autres, les gens qu'on connaissait. Seulement silencieux. C'était notre mère qui commandait et qui nous rabrouait dans le quotidien, ma sœur, mon frère et moi. Mais il se passa qu'un jour, notre père se fit construire une barque. C'était du sérieux. Il commanda une barque spéciale, en bois jaune, petite, juste avec une planchette à la poupe, comme pour contenir un seul rameur. Mais elle devait être bien fabriquée, choisie robuste et pliée au maximum, apte à durer sur l'eau.